Je comprends l'angoisse des profs. Je comprends l'angoisse des enseignants. Pas le cas dans tous les métiers ? Si, forcément. Mais écoutez, il y a quand même, on a l'impression que le gouvernement, c'est pas de l'adaptation à l'évolution de l'épidémie qu'il fait, mais c'est de l'improvisation totale. Oh non. Vous imaginez, vendredi, vendredi, un élève par classe qui est contaminé au Covid, on ferme la classe et on demande aux élèves de revenir avec un test Covid. Lundi, deux jours après, aujourd'hui, eh bien finalement, un élève par classe qui est contaminé au Covid, c'est pas grave. Et pourquoi ce changement ? Est-ce que l'épidémie a changé ? Est-ce que le degré de l'épidémie entre vendredi, entre il y a deux jours et aujourd'hui, le Covid, il est devenu moins dangereux ? Il est devenu moins contaminant pour les enseignants. Et pourquoi le ministre de la Santé a très bien expliqué que le lapsus est tout aussi dangereux. Donc, Mais en revanche, ce qu'on sait maintenant, et ce qui est démontré, mais il faut du temps pour le démontrer, c'est que le virus ne se transmet pas de enfant à adulte. La réalité. C'est dans l'autre sens. On n'a pas découvert ça ce week-end. J'étais hier à Toulouse avec une amie qui me dit que ses deux filles, elle a deux jumelles qui sont en CM1 dans son école. Ouais. Elle me dit, il y a eu un cas de Covid dans la classe, j'ai dû m'arrêter et on me demande de revenir le 22 avec un test Covid. Le problème, c'est que impossible de se faire tester, impossible de trouver. J'ai pas de test avant le 28. Donc elle s'est mise en télétravail pour s'occuper parce que les petites sont en quatorzaine. Et donc la seule raison qui fait que tout d'un coup... un élève qui a le Covid, c'est pas grave, c'est pas contaminant, alors que ça l'était deux jours avant, c'est parce que le gouvernement n'a pas anticipé la gestion des tests. Là, il est pas question d'interdire des produits, il est question d'interdire la publicité de ces produits. Et moi, ça me fait penser à la publicité pour le tabac, qui est interdite par la loi Evin depuis 91. Mmh. Pour autant, ça n'a pas limité, ça n'a pas détruit le secteur de... Si on pouvait le détruire pour moins, je serais pour. Non, mais je suis d'accord, mais il faut pas... Pour être d'accord avec vous sur quelque chose. Après, pour autant, je suis en train de prendre le rôle de défenseuse de la proposition du gouvernement. Ah oui, ça fait bizarre. Je dirais ça me fait bizarre, ouais. Non, mais je veux rappeler que cette proposition, en fait, d'abord, c'est une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, peut-être que le gouvernement culpabilise après avoir traité la Convention citoyenne pour le climat d'Amish il y a encore quelques jours. C'est pas la Convention citoyenne sur le climat qui a été traitée ainsi. Mais sinon, par ailleurs, en fait, il se trouve que, vous devez vous en rappeler, madame, à l'Assemblée nationale, mes collègues de la France insoumise ont présenté une proposition qui allait dans ce sens-là. Interdire les produits qui étaient contraires à la transition écologique. Interdire la pub, la publicité. D'accord. Pour les produits, excusez-moi. Et puis ça a été refusé. Alors donc, moi, la question que je me pose, c'est un gouvernement qui refusait d'interdire une chose il y a quelques mois, manifestement l'autoriserait en ce moment. Et puis surtout, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication parce que, par ailleurs, il y a les panneaux publicitaires lumineux qui sont une absurdité écologique qu'on voit dans toutes les villes, parce que déjà, c'est une absurdité écologique parce qu'on incite à la consommation de produits dont on n'a pas besoin. Et puis en plus, ça consomme l'équivalent de 3 foyers en termes d'électricité. Alors, et ça encore, c'est une proposition. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien si c'est fait. Je suis étonnée que ça n'ait pas été validé quand ça a été proposé par la France Insoumise il y a quelques mois, mais ça ne suffit pas. Daniel Fasquelle. C'est beaucoup de communication. On voit ces deux ministres qui ont vraiment l'air désolées, dépitées. On a l'impression qu'elles assistent aux inondations dans le Gard. Là, non. Ce qui se passe là, c'est les conséquences, d'abord, des accords de libre-échange qui ont été signés par l'Union européenne avec des pays tiers, mais validé par nos gouvernements, et qui valide le fait qu'on peut faire venir des produits qui viennent de l'autre bout de la planète et qui viennent concurrencer nos industries ici en France. Et le politique, il aurait pu s'opposer à ça en ne signant pas ces accords de libre-échange, donc en taxant par ailleurs les produits qui viennent de l'autre bout de la terre. Donc, et on n'en arriverait pas là. Et on n'en arriverait pas à des dizaines et des dizaines de foyers qui vont se retrouver au chômage. Il ne fallait pas laisser rentrer la Chine dans l'OMC, notamment. Se retrouver au chômage des zones entières de notre pays qui vont être complètement là. Il me fait de plus en plus penser à Nicolas Sarkozy, en fait. Non, écoutez. C'est pas gentil pour M. Sarkozy. Toute son action est basée sur des effets de communication. Juste, je veux rappeler, il y a quelques semaines, il y a deux semaines, comment ça a démarré, cette histoire à Grenoble. Un jeune de 16 ans, un rappeur qui tournait un clip avec des fausses mitraillettes,
et Darmanin qui fait débouler le préfet, qui explique que, attention, c'est la guerre civile là-bas à Grenoble. Alors que c'était, en fait, on tournait un clip. Juste c'est pas très très clair quand, encore, hein, quand si je peux me permettre. Oui, quand il me fait penser à Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy avait supprimé la police de proximité. Ce qu'on voit d'intéressant dans le sondage qui a été fait sur Grenoble, c'est une demande de police municipale et une demande de police qui connaît les habitants. Et je crois qu'il faut revenir à ça aussi.